Alors, l'idée d'un diplôme universitaire d'expertise psycholégale est issue de deux constats. Le premier étant la nécessité de formation des experts psychologues, et le second étant la demande exponentielle d'experts tant par les magistrats que par les officiers de police judiciaire. Alors, l'expertise psycholégale, c'est la mission qui est attribuée à l'expert judiciaire psychologue et qui répond à trois spécificités. Celle du cadre, nous intervenons dans le cadre judiciaire. Celle de la demande, c'est une demande ordonnée par un tiers. La personne expertisée n'a pas fait cette demande. Et enfin, la troisième spécificité, c'est celle de la clinique que nous avons à engager dans ce travail. Au contraire de la clinique habituelle, qui est celle d'une écoute bienveillante, flottante, là, nous avons une clinique que l'on peut qualifier d'armée. C'est-à-dire qu'elle elle doit faire coïncider deux discours, le juridique et le psychologique. Elle doit permettre d'établir un profil de personnalité. Elle nécessite des connaissances très précises en psychocriminologie. Et enfin, elle est axée vers un travail, dans un premier temps, écrit, le rapport. Et ce rapport doit être soutenu plus tard lors d'une déposition orale aux assises. Et lors de cette déposition orale, l'expert judiciaire vient étayer ce qu'il aura annoncé dans son rapport. Tout simplement parce que l'esprit de cet établissement est particulièrement innovant et ouvert à des disciplines qui habituellement font peur. Bien évidemment, ce DU expertise psycholégale touche à la psychocriminologie, un champ disciplinaire qui est peu exploité encore à ce jour. Enfin, à l'ICES, nous avons des enseignants pour ce DU qui sont tous issus du terrain, puisqu'ils sont tous experts judiciaires.